sont ici placés paumes vers le ciel à hauteur de votre abdomen. Les doigts sont toujours dans l'axe les uns des autres. Sur des jambes fléchies, des genoux souples, nous allons produire un mouvement de taille léger vers la droite avant d'engager la main gauche comme ceci par une spirale qui part de vos omoplates, présentez les doigts vers l'extérieur gauche. Puis tournez légèrement la taille à gauche pour percer vers la gauche avec la main tournée vers le ciel toujours. La taille tourne à droite pour amener votre main vers la droite ici. Légèrement vers la gauche pour passer au-dessus de la tête. Avant de revenir vers la droite, je parle toujours de la taille, pour amener votre main dans sa position de départ. Léger mouvement de taille vers la gauche pour engager les doigts de la main droite à partir d'une spirale. Percer vers la droite. Revenir rapidement vers la gauche avec la taille. Ici légèrement vers la droite. Et ramener vers la gauche pour terminer. Je reprends. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Toujours pour la taille. Gauche, droite, gauche, droite, et retour à gauche pour revenir au centre avec les mains. Pensez à aller chercher toujours l'énergie de la Terre, de la même manière que tout à l'heure. Ici, nous allons chercher l'énergie dans la jambe droite. Puis, pendant la poussée à gauche, venez dans la jambe gauche légèrement, revenez dans la jambe droite, revenez dans la jambe gauche et revenez. Au centre. Je répète toujours du même côté pour l'instant. Jambe droite. À ce moment-là, jambe gauche. Droite. Gauche. Et centre. Dans les deux jambes. Jambe gauche. Droite gauche, droite, centre. Nous allons parler maintenant du travail précis du bras. En l'occurrence, ici, quand vous démarrez, concentrez-vous sur l'omoplate gauche. Ça veut dire que votre omoplate va glisser sur la cage thoracique vers l'avant vers l'extérieur et vers la gauche pour engendrer ce mouvement de torsion qui passe dans le bras, l'avant-bras et la main. Observez bien, je n'ai pas fait ceci avec mon poignet directement, mais j'ai bien généré un mouvement dans la source et l'omoplate. Bien sûr, ici je vous le montre avec exagération. Mais l'idée doit rester. Ça, c'est l'idée première. Dans un deuxième temps, on va s'efforcer d'étirer le bras en allongeant la partie dite yang ici du bras. Ça veut dire que vous allez donc penser à percer vers l'extérieur gauche. Je répète, premier temps homoplate, bras, avant-bras, main, deuxième temps, allonge. troisième temps, ça va se passer dans le dos. nous avons parlé tout à l'heure de ce grand muscle dorsal. eh bien, celui-ci va être étiré en douceur par ce mouvement. avant de venir étirer plutôt les muscles du flanc. Ici. Donc, rappel, spirale, allongement de la face antérieure du bras, allongement du grand muscle dorsal, allongement ici des flancs. Arrivé dans cette phase, nous allons produire un léger mouvement vers l'arrière, une inclinaison postérieure du corps pour favoriser l'ouverture de tout l'avant du corps, de la face yin. Ceci va traduire un mouvement de fermeture dans le dos qui devra être contrôlé. Alors, pour que cela soit le cas, il faut fléchir dans vos jambes et pousser cette zone sur l'avant, ici les crêtes iliaques plutôt que de fléchir directement dans la région des lombes ici. La pression serait trop forte. L'intérêt de ce mouvement est donc d'ouvrir tout l'avant de votre corps, le yin, mais aussi de venir créer une légère compression, entre guillemets bien sûr, au niveau des reins et des glandes surrénales. On va produire donc une stimulation naturelle par automassage là aussi des reins et des surrénales. Donc, quand vous êtes dans cette phase, qui est la phase finalement la plus critique du mouvement, on va pousser légèrement sur l'avant et ouvrir l'arrière. Fermer l'arrière, pardon. Et enfin, terminer son mouvement en ramenant la main paume vers le ciel avant de la ramener devant le ciel inférieur, devant l'abdomen. Voilà, soyez donc très prudent au moment de la phase de flexion arrière. Je vous montre le mouvement maintenant de profil. Petit rappel, donc ici pour euh, vous rappeler que c'est bien l'omoplate qui décide d'engager le bras, l'avant-bras et la main. Arrivé à ce stade, on s'efforce d'étirer cette ligne, la ligne Yang du bras. Ici, on va donc s'efforcer d'ouvrir cette zone, d'étirer la zone du, du rein et du grand dorsal, avant de revenir au-dessus de la tête. À ce moment-là donc dans cette phase critique, n'oubliez pas de pousser légèrement cette zone sur l'avant sans exagérer ici la fermeture de cette zone. C'est ouvert devant mais ça ne doit pas être totalement fermé derrière. Et enfin, le retour final du mouvement. Merci.